Et salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de Pokémon Or. Et aujourd'hui, petite hors-série, et c'est ce que je pense que je vais faire parce que je ne peux pas m'arrêter de jouer à ce jeu, c'est impressionnant. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que là normalement nous sommes dimanche. Le noteur de nom, évolution de notre Pokémon. Oui, donc je disais, il y a un truc de dingue qui m'arrive, je vais faire les emplettes. Je vais faire les emplettes et il y a un truc de dingue, j'arrive pas à m'appeler de jouer à ce jeu. Et aujourd'hui nous sommes jeudi, et jeudi est un jour spécial dans le monde de Pokémon Or. Car comment dire, vous voyez, et le jeudi il y a le concours d'insectes, et il y a un truc très important à la première place de ce concours d'insectes, donc il me faut y participer aujourd'hui, et il me faut capturer un Scarabrut ou un Insectateur pour gagner ce concours et le premier lot qui me sera très utile très 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 prochainement. Donc on est parti, on va en profiter pour nettoyer cette route. Et Kim envoie Goopix niveau 15 comme mon Mystherbe, mais mon Mystherbe ne fera pas le poids, donc je change de Pokémon, j'y vais. À l'attaque, Ferrisson! Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je pète la forme. Comme d'hab, quoi. Et je suis prêt à vous accompagner un petit moment sur ce... sur cet épisode hors série du dimanche. Je pense qu'on va faire ça comme ça, en fait. Le mardi et le jeudi, les horaires dits normaux. Je ferai la quête principale, c'est-à-dire que je continuerai d'avancer dans Pokémon. Et les jours, genre jamais j'enregistre une vidéo le week-end, enfin la semaine qui est complètement un extra. Et bien en fait je passerai ça le week-end, et on va dire que le dimanche ce sera le jour de l'extra du Pokémon. C'est-à-dire que ce jour-là il y aura un truc Pokémon, mais en même temps ce n'est pas la quête principale, là c'est un concours. On va faire un concours et je vais tout faire pour ne pas avancer dans la quête. C'est le but, c'est parti pour un combat Pokémon. Et André veut se battre, André est chaud, André envoie sa belette. Mais moi j'ai un Mystherbe, mais Mystherbe attaque Falpé. Now, bitch. C'est super efficace. Yeah. L'énergie de sa belette ennemie est drainée. Il me lance une attaque jet de sable qu'il rate. Et bien moi je contre-attaque avec une autre attaque vol de vie. Et normalement je le bats, je gagne de l'expérience, ça rate dans mon décor. Bref. Donc oui, normalement vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai dit que c'était niveau 31 l'évolution de Mystherbe. Non, c'est 10 niveaux en dessous, c'est 21 qu'il évolue en Ortune. Et si vous connaissez Pokémon Or aussi bien que moi, vous allez savoir, enfin vous avez déjà deviné depuis tout à l'heure, ne le dites pas. Ne le dites pas, laissez la surprise aux gens qui ne savent pas. Ou la surprise aux gens qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer à ce jeu. Car je vais gagner un objet très important et qui a peut-être un rapport avec Mystherbe, n'est-ce pas? Donc ne spoilez pas, ne le dites pas, laissez la surprise à ceux qui ne le savent pas, s'il vous plaît, ça peut être... Voilà, laissez la surprise, voilà. Excusez-moi, je... Oh là là... Je n'arrive pas à me passer de cette... de cette hymne. Et là le Maril va me mettre très très cher, j'ai intérêt à beaucoup régène. Et il est KO, c'est parfait. Fout. C'est bien, mon Mystherbe avance. Il peut maintenant se battre tout seul comme un grand. T'aurais pu perdre pour me faire plaisir. Va te faire voir. Je crois pas que je vais me laisser faire. Bref, on continue. Mon copain est trop nul, j'ai la super honte. Eh ouais ma chère, t'as pas choisi de mon petit ami. Enfin. Juste un petit ami sur son niveau au combat Pokémon, c'est un peu débile aussi. Et Brooke envoie Pika! Qu'est-ce que j'adore son skin sur ce Pokémon. Bon. Il est trop... Et franchement, quand vous avez vu un Pikachu dans les versions rouge et bleu, que je trouve plutôt mal foutu, je vais être franc. Dans jaune, il était déjà mieux fait, en même temps c'était un peu le personnage principal, donc il avait intérêt à être bien fait, vous me direz. Mais quand je l'ai vu dans ce Pokémon Or, mais genre, ouah, il est trop mignon, je le veux. Et je vais l'empoisonner, allez. Fouh. Reflet. Il se démultiplie, il y a 36 000 Pikachu. Mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, je bois en même temps.
Ah. Oui, je te spire ton sang, petit. Et Pikachu et KO, Mister Game 280 points d'expérience. Brooke Picnic a perdu. Oh, t'es fort. Ouais, je sais, je sais. Je préfère mes Pokémon à mon copain. Oh, dur. Salut. Pam, pam, pam. Ah oui, on ira à la radio aussi, puisque j'ai le temps. Et que c'est un épisode hors série, ouais. Je sens qu'il y a des Pokémon de feu. Ah non, Topiqueur. Topiqueur. Niveau 10, oh oui. Je vais lui rouler dessus. Attaque. What? Un plan 6. Ce n'est pas très efficace. Ah, même pas. Vol de vie, vas-y, vole lui sa vie. Coup critique, c'est super efficace. Boum. Et là, Mister Momon, ton niveau 17. Nosferopti. Non. Mais en fait, si. C'est juste pour le bonus XP parce que ça va être trop long sinon. À coup de Volvi, merci. Ça va 2 minutes. Hein. Ferrisson. Mince, Ultra Son. Flamèche. Brûle. Ivan va utiliser Topiqueur. Oui, il va changer de Pokémon. C'est parti. Ampleur 7. Mais cela échoue. Mister Lance Volvi. Plus de pouvoir et de vie. Je te pompe le cerveau. Brain zombie. Bref. Perdu, eh oui. Normalement il y a 2 dresseurs. Alors là il y en a un qui fait du combat de feu et l'autre je ne sais plus. Eh hey. Ah merci. Regarde comme je lance bien mes balls. Mes balls. Oh, ça me. Quand on écoute l'épisode de jeudi quand même, on parle de couper des queues, de Ramolos, je suis d'accord, et de balls. Ça porte à confusion quand même, hein. Oh, j'ai pas envie de gaspiller des points de puissance avec parce que je commence à en manquer. Donc, Mister, reviens, Ferrisson. Et je vais me mettre mon gilet, excusez-moi, parce que je me les gèle. Littéralement. Donc ouais, je mets mon gilet. Oh merde, là-bas. Ah, extension, je l'ai. Je vais utiliser Voltorb. Adran va-t-il changer de Pokémon? Oui. Adran change de Pokémon. Ah, excusez-moi. Hop là. Ça y est, je suis prêt. J'ai plus qu'à refermer mon gilet. Et puis je serai dans un état un peu plus agréable. Et voilà. C'est bon. On est reparti. Ni vu ni connu. On lui roule dessus. Et on n'en parle plus. Ok, je vais pas y rouler dessus si facilement en fait. Surtout que je commence à manquer de points de pouvoir. Bon, ben, paradam, tan, 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 tan. Grincement.
Ouais, niveau 18. Temps d'apprendre en poudre dodo. Alors je préfère poudre dodo parce que ça permet de capturer plus facilement les Pokémon. Bon, je sais que la paralysie aussi, mais si je me plante pas un Pokémon endormi, plus facile à capturer qu'un Pokémon paralysé. Oh, intéressant, niveau 14. Est-ce que je vais avoir assez de PP? J'ai assez une poudre toxique pour temporiser, si j'ose dire. Hop, et je fais des doux parfums histoire de lui faire perdre un peu d'esquive le temps que sa vie descende à cause du poison, que je puisse le tuer avec coup de vol de vie. Oh, doux parfum! Oh mon dieu, j'ai pas double, je vois des trucs par deux. Et je continue. Toi, tu ne descends ma défense, moi je te défends ton esquive pendant que tu souffres du poison. Mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je vois toujours, c'est bizarre, ça sent bon. Et je lance vol vie. Waouh. Voltorb souffre du poison. Frit frit. Hop là. Ça fut un peu long. What? Moi je crache du feu. Combat. Deux Pokémon. Magmar. Magmar. LOL. Le mec il se balade avec un Magmar quoi. On paraît comment que ça a empoisonné cette connerie. Et voilà. Le mec qui me lance Flamèche. Allez, bim, ciao. Magmar. Et au niveau 13, attention, il a gagné 2 niveaux. Il y a moyen que tu montes de niveau, toi. Même si ça me donne pas trop d'espoir non plus. Allez, vas-y, Vyorisson, vive attaque, boum. Fire point. See you next time. Yeah, niveau 19. Bimbo Crash Feu a perdu. Tu m'as cramé. Ouais, je t'ai cramé les fesses, bro. Alors, sac. Antidote utilisé. Hop, hop, hop. Sur Furisson. Et là, j'utilise un peu une potion. Sur Furisson. Une autre. Hop. Nickel Chrome. Et une dernière sur Misterbe, au cas où. Voilà, on ne sait jamais. Des choses peuvent arriver. Et voilà, nous sommes arrivés au concours Pokémon. Salut! On est jeudi, ça veut dire que le concours de capture d'insectes est aujourd'hui. Les règles sont simples. Avec un Pokémon à l'équipe, il faut attraper un Pokémon insecte qui sera noté. Alors, tente sa chance? Oui, oh oh. Tu as plus d'un Pokémon. Tu dois utiliser Misterbe, le premier. Tu es d'accord? Oui. Parfait, je vais garder les autres Pokémon pendant le concours. Adran confie ses Pokémon au réceptionniste. Voici des Park Balls pour le concours. La personne qui capture le Pokémon insecte le plus puissant est désignée vainqueur. La partie dure 20 minutes. Si toutes les Park Balls sont épuisées, c'est fini.
Le dernier Pokémon attrapé peut être gardé. Allez hop, c'est la chasse aux Pokémon insectes. Un chenipan. Ah, ils n'ont pas restauré ses PP. Alors je vais le capturer juste pour le Pokédex, en espérant que ça marche comme ça. Voilà. Yeah. Pour se protéger, il émet un gaz puant par ses antennes qui fait fuir ses ennemis audacieux. Un paras. Désolé, c'est la loi de l'ignorance. Tu n'existes pas. J'aurais peut-être dû prendre Florisson finalement. Bref. Encore un paras. Alors il me faut soit un Scarabrut, soit un essécateur. Sachant qu'un Scarabrut est mieux noté qu'un essécateur. Donc voilà, c'est dit. Et que la compense n'est pas le Pokémon finalement, puisque un sécateur, tant pis. Si je peux capturer un sécateur, je préférerais. Mais j'avoue que là, le but, c'est la récompense qu'on gagne en étant premier. Pas le Pokémon. Oh, un cocon fort. Pareil, je vais le capturer pour Pokédex. Hop. Ok, il veut pas. Bon, putain, pis. Un Mimitos. Je tente, hein. Yeah, Mimitos est attrapé. Ses yeux fonctionnent comme des radars. Il se nourrit de petits insectes cachés dans le noir. Allez, un essécateur. Un Aspico. Je sais que j'entends gaspiller des Park Balls, mais... faut pas le dire. Oh merde. Par contre, oui, je vous le dis franchement, je n'utilise qu'une Park Ball. C'est pas la peine de gaspiller des Pokéballs ici, quoi. Surtout que les Pokémon style Insecticateur et Scarabrut sont pas forcément super faciles à attraper. S'ils veulent bien se montrer un jour quand même. Encore un chenipan. Hop, dégage. C'est pas que je te veux pas, mais c'est que tu ne mets pas d'utilité très importante pour se gagner ce concours. Je veux le gagner, moi. Toi non plus, Aspico. Ah! Ils sont chiants, ces petits Pokémon. Je veux un Snesecator ou un Scarabrut, vous comprenez pas? Peu importe qui vous êtes. Qui vous êtes. Voilà! Parfait, un Scarabrut!
Vas-y, poudre dodo. Oh merde. Merde. Je peux pas l'endormir. Faut que je fasse ça à la chance. Oh mais c'est dur. J'ai 16 chances. Ça va être très compliqué, Scarabout est un très compliqué à capturer. Et il va me battre mon Pokémon avant, putain. Voilà. Est-ce que je prends le risque de... Ah mais j'ai plus d'objets. Ah dur. Ah dur. Ah non, non, non. Ça c'est moche, ça c'est très très moche ce qui m'arrive. Allez, allez, je t'en supplie, Scarabout, reste avec moi, reste avec moi. Ah, j'ai dit rester, pas de parer. Oh non, mais s'il me le bat, je suis assez dégoûté. Allez, 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 allez. Est-ce que selon l'attaque Volvi va être d'une quelconque utilité sur un Pokémon insecte? Je ne pense pas. Ouais voilà, je vais rien gagner. Allez, je t'en supplie, rentre dans ta Parkball. Pitié. J'ai besoin de gagner ce concours. Yes! Maintenant fais pas de conneries. Il creuse des abris de ses cornes pour y dormir. Le matin, la terre humide reste collée à son corps. Vous avez déjà un Mimitos. Vous changez de Pokémon? Oui. Il y a une sortie par là-bas. Ouais, j'ai quasiment 100% de chance de gagner le concours rien que par le simple fait que j'ai un Scarabrut. Tu as encore 13 minutes, veux-tu arrêter maintenant? Oui. Ok, attends ici pour connaître le nom des vainqueurs. Allez, allez. On va maintenant juger vos Pokémon capturés. Nous avons choisi les vainqueurs. Vous êtes prêts? Un troisième, Scootfulk, qui a capturé un Papillusion. Putain! Le score de 319 points. En deuxième place, Adran. Non! 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 Merde! Il était peut-être pas assez haut niveau, mon Scarabrut. Merde, merde, merde. Bon, au moins j'ai capturé un... Oui, Gaspard. Bon, ça a l'air impressionnant, j'aimerais te le montrer. Écoute, j'ai presque attrapé un chenipan l'autre jour. Il était presque. Ouais, cool. Alors. Réfléchissons. Je veux absolument l'item. Alors, on va commencer par. Réfléchissons. J'essaie de faire appel à ma mémoire pour me rappeler où c'est qu'il y en a d'autres. Où c'est qu'il pourrait y en avoir d'autres. Je me souviens plus. Voilà, attendez, bon, d'abord, on va stocker. Pief à bec. Il va me casser les couilles, tant pis. Je crois qu'il y en a une dans le parc, hein, mais je n'en suis pas sûr. Moi je dis ça se tente. Hein. C'est une lettre de ma fille, c'est cool, hein, ouais. Je suis pas encore les dresseurs ici, hein. Mais merde, y'a pas un endroit où je peux passer. Et normalement y'a un objet. Où est ton cahier? Pardon, être maîtresse d'école donne de petites manies. Tu es un dresseur de Pokémon? Tu es un bon élève que tu as pu mériter ceci. Vive griffe.
Yeah. Oh, au téléphone. Elle me saoule un peu quand même, hein. Bon, tant pis, au pire. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen d'en obtenir une. En fait, ce que je voulais, c'était une pierre soleil. Et ce n'est pas une raison pour spoiler, parce que j'ai dit ce que c'était. Laissez la surprise à ceux qui n'ont jamais joué à Pokémon. Il n'y a pas un passage. Ah, ben là, pff, un nier. Aveugle. Du coup, on va entraîner Mystère, ben. Cet épisode hors série, si j'ose dire. C'était 28. Yeah. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Total Swing. Ah, ça me fait chier. Je la voulais, cette pierre soleil. C'est quand qu'on les concours samedi aussi. J'enregistrerai peut-être l'épisode de samedi exceptionnellement en avance. Ou alors je ferai juste le concours et je vous l'intégrerai en début de vidéo. Ensuite, je reprendrai. Ensuite, je le garderai pour l'épisode de mardi et je continuerai. Bref, vous m'avez compris quoi. Merde, non, c'est là. Je crois qu'il y a autre chose aussi par là-bas. Voilà, j'étais sûr. Un antipara. Donc, ouais, mais... Faut d'abord que je rentre en ville. Avant de faire des combats ici. Question technique. Hein? Ah, l'œuf de Togepi. Togepi sort de son œuf. Yeah. Alors, faut que j'appelle le professeur Orme donc. Allo Adrien, comment ça va? Quoi, il a éclos? Waouh, quel genre de Pokémon est-ce? Viens me le montrer s'il te plaît. Non. Tu vas attendre, hein? Ce n'est pas le moment d'utiliser ce truc. Oh. Bon, bah finalement, cet épisode va se transformer en bête épisode d'entraînement, donc. On va donc se préparer pour l'arène de Doublonville. Je pense que bah, autant qu'on y est, de toute façon, tant qu'on est dans l'épisode un peu à part quête principale, on va aller chercher. Je sais plus si c'est maintenant. Ouais, c'est là. Bienvenue. Ok, merci. Nous avons un quiz disponible en ce moment. Répondez à quelqu'un pour gagner un coupon radio. Glissez dans ton Pokémon pour écouter la radio n'importe quand. Ouais. Question 1. La carte est-elle affichée dans le Pokémon? Oui. Exact. Question 2. Un Nidorina est-il seulement femelle? Oui. Fargas, le fabricant de Pokéball, dit-il des noix bricots? Non. Bien joué. Question 4. Est-ce vrai que Magikarp ne peut apprendre de CT? Oui. Waouh, encore bon, voici la dernière question. L'émission du professeur Chen, la chronique Pokémon, est très célèbre. Lola est-elle la chronique? Oui. What? C'est pas Lola? Oh. Mais. Vous savez qu'il l'a co-animé à un moment. Bref.
Et donc du coup, ça c'est non. Bingo, gagné, félicitations, voici ton prix, un coupon radio. Yeah. Donc voilà, on a récupéré le coupon radio. Je ferai pas la loterie parce qu'il y a aucune chance que je gagne. Pas avec un seul type d'ID. Je gagne les autocollants du Pokédex de l'adversaire si je le bats. Envoie Snowball. En avant, Misterbe, c'est parti pour t'entraîner. Morsure, Snowball. Mimico. Une baie. Volvi. Charme. Mais cela échoue. Et oui, on est du même sexe. Ça ne peut pas marcher. Oh là là, que des répétitivités, répétitions. Eh, t'es KO, ouais, je gagne de l'expérience. Oh, ce combat était particulièrement chiant, je trouve. Oh, 1100 Poké-Dollars. Maman, oh non, on va encore m'avoir acheté un truc. Salut Adransa, bien, j'ai trouvé un bel objet à acheter. Fuck. Bon, bah, je le récupérerai comme d'habitude, juste avant de sauvegarder, en off, et je vous dirai ce que c'est. Misterbe, oh là là, le duel fratricide ou pas. Oh yeah, bitches. Le mec faudra qu'il se calme un jour quand même. Ouais, vous inquiétez pas, je me calmerai un jour. Peut-être que j'irai faire un peu de casino aussi en off, histoire de récupérer un Pokémon. On sait jamais, je sais plus les Pokémon qu'il y a, mais il me semble qu'il y en a quelques-uns bien. Je verrai ça. Ou au pire, je ferai peut-être ça en hors-série, un truc, vous savez, genre un petit bonus en fin d'une vidéo, pas un truc que vous en foutez de regarder, bref. Le casino n'est pas réellement, de toute façon, c'est pas réellement folichon à regarder, on va dire. Déjà que c'est pas, je trouve que c'est les combats sont de moins en moins folichons, donc. Hey, salut. Hey, regarde-moi. On adore mes Pokémon, même si eux nous détestent. Et c'est ça, un vrai fan. Heureusement que j'ai dû lui parler, quoi. Allô. Marcel envoie Raichu. Ah ouais. Ah ouais. Oui.
Ah, ça va être un combat plutôt long, mais comme c'est une Pokémon évoluée, je vais gagner énormément d'expérience. Et ça, c'est bon, parce que plus vite je passerai niveau, plus mieux ça sera. Et je fais pas très mal en Raichu, là. Il a beaucoup de PV, je trouve. Oh putain, une baie. Oula, la musique qui a complètement foiré pendant un petit moment. Ça m'énerve. Faut que je trouve un moyen d'arrêter de ces bugs de musique, c'est chiant. Allez, on continue. On le détruit. On lui casse la gueule, si j'ose dire. Et mon mystère rattrape petit à petit mon furisson. Et ça, c'est une bonne news. Allez, il est battu. Vas-y, vole vie. Yeah, 300... Oh là là. Pff, niveau 20. Allez, c'est gratuit. Tenu. Marcel Pokéfan a perdu. Mon Pokémon. Why? Oh putain, il se met à faire nuit. On va voir, c'est quelle heure. On vient de passer 6 heures vie IRL, donc normal. Pam pam tan 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 tan. Mister contre Mister, ça le fait moyen quand même. Même si j'ai l'avantage, mais à coup de ce n'est pas très efficace. Ça va être très long, on va dire. Pardon, excusez-moi. Je pars en couille. Tadam. Dis-moi qu'il y a des Pokémon, je vais envoyer, c'est Voltorb, oh ça va. Ça va être un peu plus long, mais ça passe, je vous le dis. Pam 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 pam. Miaou, grassement. Allez, vas-y. Vole vie. Et vas-y, que je t'absorbe ta vie. Et t'es mort. Et je gagne 330 points. Putain, mais ces dresseurs sont tellement généreux. Julie Collier. Quoi? You fail hard. Outout! Pam 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 pam. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il reste un dresseur ou est-ce qu'on en a fini ici? Oui, mais voilà, je pense que ce petit épisode bonus du dimanche vous aura... J'espère surtout. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode numéro 4. Et j'espère que... vous me suivrez. Donc, nous sommes dimanche. Demain, c'est Resident Evil 4. Et donc, je vous retrouve dans 2 jours pour le nouvel épisode de Pokémon. Ciao les gens !